j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog, c'est vlog travaux épisode. Aujourd'hui on va faire plusieurs choses, déjà il faut qu'on aille à Starbucks. Rien, il faut qu'on aille à Action pour acheter 2-3 petits trucs pour la cuisine, genre une bouilloire et tout, c'est pas très cher là-bas. On va aller là-bas pour les ustensiles aussi, peut-être des planches à découper, je sais pas, on verra. Donc on va aller à Action vite fait. Ensuite, il va aller faire les courses, donc je vais l'emmener faire ses courses parce qu'elles sont très beaux et vides. Donc, et comme il n'a pas de voiture avec la mienne, ça va être beaucoup plus simple. Faire un maximum de choses lourdes, genre des bières par exemple. Voilà. Et ensuite, on va installer la cuisine. On va installer les étagères, les trucs en haut et tout. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Là il y a tous les cartons à mettre à la poubelle, là c'est l'étagère qu'on va monter plus tard. Et il y a encore tous ces meubles là, donc il y en a qu'on mettra aux encombrants et il y en a d'autres qu'on utilisera parce qu'ils sont un peu pourris en fait, ils sont vraiment moisis. Enfin j'ai l'impression que ouais, il y a eu de l'humidité, je sais pas ce qu'il y a eu sur les meubles mais c'est pas ouf. Faut les mettre dans la salle de bain etc, mais finalement c'est pas trop possible hygiéniquement parlant. Donc voilà, faudra mettre aussi plein de travail aux encombrants, enfin il y a plein de choses à mettre aux encombrants. Mais vraiment la cuisine, si vous avez pas suivi la dernière fois, franchement ça a changé de ouf. On a installé plein de travail, on va pas le fixer parce que en fait il y a des câbles à passer pour le four, s'il met le four ici, donc il faut un peu le hop. Il faudra mettre un joint après, dès qu'il aura tout installé. Donc écoutez, let's go! Avant ça, nous allons trouver Dindouille. Mais où est-ce qu'elle est? Franchement, on se demande où est-ce qu'elle est. Ah ben non! Oh, c'est un leurre! J'ai cru que c'était Dindouille. Je te jure, on aurait dit Dindouille. On dirait Dindouille. Même elle, elle va croire que c'est elle. Starbucks! Oui! C'est mon QG maintenant. Je pense qu'elles doivent nous reconnaître à force. Hein. Ah ouais! Sacré repas là! Oh, ah ouais! J'aime trop les tasses. Du coup, ça c'est pour monsieur parce que voilà. Monsieur, c'est un ogre. Et la dernière fois, j'avais pris ça dans les Too Good To Go. Et ben c'était super bon. Le caramel était succulent. Enfin, chai latte, caramel macchiato. Voilà. Nouvelle étude de marché. Bah, à Brise. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Je pensais qu'ils prendraient plus de choses, mais non. Trop beau, ils ont mis des pandas, ils savaient que je venais. Je suis allée. Voilà, du coup, on a réalisé l'hélice. Parce que monsieur va regarder des bons couteaux parce qu'il a vu les miens. Du coup, il est jaloux. Ah, ça, c'est pas mal, ça. On vient de tomber sur ça, le savon d'acier. Jamais vu. En fait, c'est pour enlever les odeurs sur les mains d'oignons, etc. Idéal pour supprimer les odeurs d'ail, d'oignon, de poisson, d'eau de javel, de nicotine. C'est trop bien. T'as pris la recharge ou pas? Ouais. Ça, c'est bien, ça. Putain, c'est super. Je suis tombée sur ça. Regardez cette beauté. Et tu peux choisir crumpet, rail. Je sais pas ce que c'est, rail. C'est quoi, rail? Rail, rail, rail. 160 balles. Putain. Tu vois, t'as d'autres... bouilloire là. Le nombre de fois où t'as fait manger des boîtes en conserve, des pâtes, non, parce que vraiment il se dit cuisinier machin et tout le bordel. Hein. Même moi, je cuisine plus que lui et je cuisine des vrais trucs. Genre lui, il se dit ouais, moi je suis un très fin cuisinier, il a fait une fois des lasagnes. Là, votre pote, faut le calmer, hein. Il se prend pour un cuisinier là. Parce que tu sais, t'achètes ça, mais après c'est de la bonne qualité, tu sais, c'est pas de la merde. Il veut que je lui fasse un raptor, un dinosaure. Non, il n'y a pas des pandas. Ah, il y a un chacha, un sac-pète. Non, mais il y a Gollum. Je te ferai Gollum en 3D, t'inquiète. Tout parce que quasiment tout ça, je l'avais acheté. Et puis bah maintenant, j'en ai plus. J'avais des ciseaux, j'avais des couteaux de ouf, j'avais des ustensiles de ouf. Et c'est parti, quoi. Quand je vois les spatules en bois d'olive, déjà, elles n'ont pas la même gueule que les miennes, je trouve. Hein. Et 15, enfin, 13 balles. Moi, je les ai payées 5 balles l'unité, quoi. Je suis très contente d'avoir acheté ça. J'aurais dû t'en prendre. C'est 5 euros, ça va, ça. Ah, la matière. Bah, du coup, on est à Carrefour pour regarder un petit peu. Bah... Ouais, on t'entend d'ici. J'aime pas, c'est pas beau là, comme ça. Moi, j'aime bien la tienne. T'aimes bien la mienne, hein, c'est ouais. Con, hein, oui. Hein. Même celle-là, elle fait cheap, tu vois. Pourtant, elle a 35 euros. Et celle-là en bas, la Moulinex, la noire, là, non? J'ai pas le feeling avec. Y a pas ce feeling, c'est vrai qu'il y a. Celle-là, elle était belle, dommage qu'elle est pas en bleu. Bon là du coup il a pris beaucoup de choses pour le ménage, donc il avait des petits promos, donc il a fait une petite frasia là. Il est en train de chercher ses putains de bières. Si un jour vous demandez pourquoi il n'y a plus de pâtes et de riz, risotto dans le rayon, c'est ce monsieur qui dévalise tout à chaque fois. Encore ça va, t'as été gentil hein. Non mais c'est trop bien. Mais marketingment parlant c'est génial. Parce qu'il avait oublié de prendre la purée aussi, parce que oui il prend de la purée. Du coup il y a des petits packs, mais il y a aussi les tout petits packs, c'est
4 sachets de une personne. Mais ça, c'est... Mais c'est génial. Enfin, ils pensent à nous. Nous, les gens solo. 4 sachets de une personne. C'est un bébé paquet. Mais oui, c'est trop même. Est-ce que vous êtes étonné? Exemple breton. Tu sais, il n'y a pas ça, c'est mort. Le seul beurre. Combien écoute? Comme ça. C'est le seul beurre véritable. Ça coûte combien? 6 euros. Là, enfin, ils ont remis les yaourts grecs. Toi, t'aurais été trop content à Athènes, hein. Parce qu'ils n'utilisent pas de micro-ondes, ils mangent que du yaourt grec, et là, il va prendre tout le stock. C'est toi qui aurais dû faire un Erasmus, pas moi. Hein. Quel beau temps, hein. Vraiment, c'est pris une flotte dans la gueule. Bon, bah, il a acheté du coup tout ce qu'il lui fallait. Bon, il a pris bien évidemment de la bière, donc ça coûte cher, de la lessive, des trucs pour de la vaisselle, enfin plein de trucs qui coûtent une blinde, mais en gros pack. Du coup, il est content, il a au moins toute sa razzia. Et puis surtout, j'ai dépensé un max. Ah mais, là, mais ouais, mais là, en 2 jours, t'as dépensé 1000 balles. Oui. Ça va aller, tu t'en sors bien. Moi, je serais en train de trembler à ta place. Ouais, bah... Moi, je serais en train de compter mes économies. J'essaie de pas y penser, c'est tout. Ouais, bah faut... Mais tu sais que moi, quand j'ai fait ça à Costco, j'en avais pour... je crois que j'avais acheté pour 200 euros de produits ménagers, de tout. Tu vois, des tablettes lave-vaisselle. Qu'est-ce qu'il fout, c'est pas cool. Tablettes lave-vaisselle, lessive, adoucissant. Les chips, tous les produits, j'en ai pour 200 euros parce qu'il y avait des promotions avec le blanc et c'était à Costco donc c'est moins cher. Et j'en ai encore, ça fait 2 ans. J'ai encore un pack de lessive, j'ai encore 2 packs de tablettes lave-vaisselle, j'ai encore plein de trucs. En plus, c'est de l'arbre vert, c'est pas de la merde, c'est du bon. Mais on fera ça en janvier. Bah, il faut y aller à Costco, faut payer la carte. Il faut que je gratte une carte auprès de quelqu'un. Je sais pas, c'est payé, bon. Je paierai la carte. Ouais, c'est lui qui va le gratter. Mais faut y aller à Costco. C'est pas avec ton petit caddie que tu vas, hein. C'est avec une voiture. Hein. Bon, tu payes la carte, moi je paye la voiture. Bon compromis. Comme ça, on fera tous les deux nos courses, on va blinder Titine. Titine va plus rouler. Titine va plus rouler. Titine ne roule déjà plus, elle en peut plus. Avec la descente là, non mais vraiment, on n'arrivait plus à pousser le caddie tellement que c'était blindax. Ah ouais, non mais ça me semble trop vite. Titine, ah. Wouhou. Même mon téléphone se casse la gueule. Je vais faire le retour de course. Ah, ça va prendre du temps le retour de course. Hein. T'as fait ça hier que j'ai pu aller jouer. Aller jouer, oui, bah oui. Mais oui, parce que ça durait 3 plombes, ton truc. Ça a duré 18 minutes, espèce de gros mytho. Je vais faire pareil, vu que là tu vas faire un rôle. Et je sais pas comment on va faire pour remonter, parce que déjà de 1, il n'y a pas d'ascenseur. Donc déjà, tes packs de bière, tu les prendras tout seul. Et on n'a pas de sac. Il n'y a pas de sac, donc c'est. On ferait vraiment un système de poulie. Ouais, un système de poulie, je pense que ce serait pas mal. Mais par contre, ta rambarde, je suis pas sûre qu'elle tienne. Ça y est, on vient de remonter. Tout ça! J'ai épuisé. J'en veux plus. Oh là là, donc ça, ce retour de course, vous le verrez. Eh ouais, Gollum, vous le verrez après ou avant, je sais pas comment je vais m'organiser pour les vidéos. Ça fait bizarre de voir ce que mange un homme. Parce que c'est vraiment différent de ce que moi je mange. Enfin, en tout cas, lui surtout. Donc bah écoutez, je vais faire le retour de course. Je sais pas où est-ce que je vais vous poser. Il y a marqué fraîche, jaune, fruits et vegetables. Oui. C'est... Ah, en plus, c'est profond de ouf! Non, mais c'est parce qu'en fait, dans la bière, t'as quand même pas mal d'ingrédients, fruits et vegetables, bah oui. Et encore, t'as de la place, je pense. Hein. Oh, en fait, son frigo, c'est des bières, du yaourt grec et des nuggets. Et il n'y a pas de place pour du. Et lier. Grâce à moi, il a ça, sinon, il le prenait pas, ça. Hein. Vraiment. Attends, t'as mis les nectarines au truc, si oui. Elles sont pas mûres. Elles vont pas mûrir. Oh là là, ça faut vraiment que tu manges jamais de fruits. Faut le mettre dans une petite corbeille à fruits. Y'a pas. Ça, j'avais dit c'était trop tôt pour les fruits. Et ben, je vais t'en ramener une. Je vais me sacrifier. Du coup, on va vous montrer ce qu'il a pris à Action. Lance le lave-vaisselle. Ah, oh, vas-y, viens, on fait une démo lave-vaisselle. J'ai commencé à ouvrir là-bas. Démo lave-vaisselle quand même. Parce que si vous avez suivi le dernier vlog, normalement, vous connaissez sa passion pour ce lave-vaisselle. Donc, eh, pas de bitch, hein. Vas-y, vas-y, avant que. On a vu. Du coup, il s'est pris ça pour mettre ici là. Le torchon et tout, pas que ça traîne comme ça. Des sacs poubelles, enfin, parce que le sac de litière, ça suffit. Des éponges, d'autres sacs poubelles. Ça pour son lave-vaisselle. Ensuite, il s'est pris bah, ça à Action, donc pour les poils et tout. Je sais pas si sa mère lui en avait ramené, du coup, bah, au cas où, c'est pas si cher. Ça, pour que ça sente bon, parce que Gollum, vous connaissez sa passion pour l'odeur, même si on l'aime. La palme olive, ça, c'est vraiment un indispensable. Il se lave les mains. 15 fois par jour, vraiment sans vous mentir, 15 fois par jour il se lave les mains, c'est pour ça qu'il a les mains défoncées. J'ai pris ça, le nettoyant machine,
Je suis pas sûre que ce soit bien celui-là. Je sais que le nettoyant, putain, lave-vaisselle, il est vachement bien. Mais alors celui de machine, je sais pas. J'ai pris des petites sacs poubelles pour sa poubelle que je lui ai pris. Ça c'est pour le, du coup, le Sopalin. Et je vais vous montrer aussi à Action. Il a installé la poubelle, bien évidemment. Mais ah, il y a plus de, oui c'est vrai, il y a plus de lumière. Je suis désolée. Et donc là, il y a la petite poubelle, c'est la même que la mienne. Voilà, vous voyez pas grand-chose, mais c'est la même que la mienne. Du coup, on va lancer comme ça. On va le lancer comme ça. T'es prêt? T'as vraiment nos vlogs, c'est genre du lave-vaisselle quoi. Séchage intensif. Multigé, c'est quoi ces conneries? Encore demi-charge. Vapeur, ça peut faire la vapeur. Non mais MDR, on est où là? Bon bah... Hey, 2 heures c'est quand même long hein. Bon bah je regarderai après si... Ouais, s'il n'y a pas d'autres trucs, parce que moi c'est 1 heure, déjà 1 heure c'est beaucoup, ouais. Je trouve. Du coup après à Alice Davis, il s'est pris plusieurs choses. Il s'est pris ça, j'adore la bouteille, par contre il faudrait que tu la gardes hein. Elle est magnifique la bouteille, ouais. C'est super joli. Il dirait un truc médicinal à l'ancienne. Ouais, du coup il a pris ça, brut noisette. Il voulait prendre caramel mais je sais pas, il s'est dit pourquoi pas laisser ça. Ouais, pour changer. Pour changer. Un aiguiseur. Alors faut savoir qu'à Alice Davis vous avez un aiguisage offert par an pour un couteau. Et sinon pour les offices c'est 4€ et pour les grands couteaux c'est 6€. Donc en soi ça va, c'est pas si cher. Sinon après il s'est pris ça. C'est une petite... petite louche comme ça. Vraiment, c'est la qualité à Isabelle, c'est vraiment top. Hein. Il s'est pris aussi ça, il s'est fait un kiff pour prendre un mortier pour faire son pesto, son poivre, ses piments, etc. Il s'est pris ensuite, bah, comme ce que j'ai à la maison, ça c'est vachement bien, c'est des petites comme ça là. Donc le manche et la recharge, c'est super bien. Moi ça me dure dans le temps et ça vous l'achetez, vous changez 2 fois par an quoi, tous les 6 mois. Enfin dès que ça salit vraiment beaucoup quoi. Ensuite il s'est pris du coup un petit fouet, c'est le même que le mien. J'ai fait une connerie. En même temps, c'est tactile, j'ai appuyé sur quelque chose. Non, mais tu vois, LG, je suis désolée. Oui, mais t'es la seule à t'appuyer dessus. Mais je m'appuie pas. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mais vas-y, pourquoi c'est tactile? Voilà pourquoi j'aime pas LG, tout est tactile, tu te frottes au pantalon, ça y est. Je te jure, je me suis pas appuyée. Du coup, bah, je vais me mettre là parce que sinon je vais me faire engueuler. Il a pris ça en bois d'olive, vachement bien. Ça, c'était une spatule normale à Alice Davis. Et il s'est pris aussi le set de couteaux, celui-ci. Trop beau. Pas très cher en plus, c'est 70€. T'as le bloc et t'as les couteaux. Alors, je sais pas si les couteaux sont de bonne qualité comme ce qu'ils vendent voilà, à l'unité, mais je pense pas. C'est 60€, genre le bloc. De base, c'est 60€, genre le couteau. En vrai, c'est pas mal, il a vraiment un bon set. Il a bien dépensé là, ça y est. Il est à sec, ça y est, c'est fini. On est le 2 août, hein, je précise, c'est fini. Il s'est arrêté tout seul. Genre la même chose, pareil, j'ai pas touché, c'est pas de ma faute. Tu t'excuses? Oui, je suis désolée. Ouais. Donc c'est pas moi qui ai touché. En même temps, c'est chiant, à chaque fois touché, ça bloque. Non, il s'est bloqué tout seul. LG. Non, j'avoue c'est pas drôle. Je pense qu'il y a un code erreur. Bon, moi je m'occupe des poubelles. J'ai mis aussi sa lessive là. Il n'y a pas de lumière dans la salle de bain, je suis désolée. Donc j'ai mis sa lessive ici dans le truc. Parce que là il n'y a pas beaucoup de produits make-up, hein, voilà. Et à l'avenir en fait, ici il y aura une étagère, je sais pas si vous voyez bien. Et après il y aura des bocaux en verre et il mettra sa lessive dedans, enfin en mode joli quoi. Ou je l'inciterai à faire ça, je sais pas. Réparer. C'est moi qui t'ai dit qu'il n'y avait pas d'eau qui rentrait dans ce putain de lave-vaisselle. Ouais, mais moi j'ai regardé le code erreur. Mais oui, mais le code erreur, mais t'as dit quoi? Qu'il n'y a pas d'eau qui est rentrée dans le lave-vaisselle. Oui, t'as besoin d'un tuto. Vraiment, ayez une Elisa dans votre vie, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça me prend la tête et tout, en mode, ouais, arrête de toucher, c'est tactile, tu pètes les couilles, elle te pète la vie. Yeah. Du coup, j'ai enlevé ça, c'est trop beau, trop joli. Donc là, on a mis vite fait les trucs de petit déjeuner. De toute façon, ça va être dans des bocaux après, mais au moins ça range là, vite fait les trucs de pâtes et tout. Et là, c'est mon tiroir. C'est chez mes voisins. J'ai un placard attitré où il y a chocobon, café, thé. Non, mais ça, ça n'existe pas, ça, normalement. Ça existe qu'avec moi, je sais. Parce que bad bitch. Donc, ça, c'est pour laver, du coup. Ta bouilloire, elle est pas mal parce que regarde, t'as des tasses. Comment ça, des tasses? Là, tu peux mettre jusqu'à là, ça fait une tasse, 2 tasses, 3 tasses. Mmh. On a monté donc le meuble. En fait, il pensait qu'il avait un forêt de 8, mais pas du tout. Il avait un forêt de 4,8, donc rien à voir. Donc on peut pas installer les meubles. Donc il est allé à Action courir là, pour aller chercher des forêts, etc. Enfin voilà. Donc là j'ai au moins une demi-heure devant moi. Tant qu'il m'aime plus que ça. Je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai trouvé ces bols là à Action. On était en train de mettre les trucs. Et en fait le problème c'est que c'est des anciens, enfin je les connais pas du tout ceux-là. Et ils arrivent pas à se rentrer. Celui-là était extrêmement, voilà, il a mis toute sa force et tout avec ça, parce que c'est pas vraiment ça qu'il faut. Il y arrivait pas, je suis arrivée, vraiment, hein. Bad bitch, j'ai fait ZLA. Mais
mais toi, c'est pas ton mur, t'as pas peur de. Mais ça peut pas le péter. Mais on sait jamais. C'est censé c'est notre. C'est mon mur, hein. Mais toi, tu t'en fous. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai donné deux coups, c'est rentré là-bas, c'est rentré là-bas, c'est pas rentré. C'est mon mur. Du coup, on a enfin réussi. Moi, je pense à ce que je vais devoir faire s'il s'effondre. Mais ça peut pas. Soulève. Oh putain, l'eau. Là-bas, ouais. Putain, de move. Non, je vais pas rigoler. Je fais pas à fond. Je pense pas que je suis. Non, c'est vachement penché. Non, c'est penché. Oh putain, tu l'as mis dans le mur. Oh non. Heureusement que c'est caché, hein. Mais aussi, tu l'as mal mis. Arrête de bouger. Hey, fuck this. C'est incroyable. Du coup, on l'a mis un peu au-dessus, du coup, pour son four à micro-ondes qui sera là. Ah ! Ah, je pourrais filmer les halls ! Non, mais attendez, 3 secondes. Ça fait au moins 3 semaines que je lui demande s'il a des forêts. Genre, vraiment, j'attends depuis 3 semaines qu'il me dise, qu'il me les montre. Dis oui, t'inquiète, j'en ai de tout état, c'est bon. Et au moment où on en a besoin, voilà, bah du coup, bah on va se faire foutre parce que monsieur n'a pas les forêts. Il appelle sa mère a dit, mais t'as pas acheté les forêts ? Non, il y avait des forêts, c'était pas la taille escomptée. Il m'a dit que c'était du 8 alors que le truc était tout fin. Genre, au bout d'un moment, tu peux pas confondre ça et ça. Genre, il y a un monde entre les deux, tu vois. Mais t'es déjà en train d'essayer des beaucoup. Même toi, tu y as cru au début. Non, j'y ai pas cru, je t'ai dit, on dirait plus du 5. Et c'est du 4,8. Oh, bad bitch, vous voyez pas, mais c'est génial. T'imagines les spaghettis et tout, là tes petits flocons d'avoine, machin, bidule, hop hop hop, les pâtes au-dessus. Comment il se la pète ? Oh ! Mais il se la pète ! J'en ai pensé beaucoup, il se la pète, bad bitch, bonjour, je suis là ! Même pas ! Si ! Il est content, hein ! Ah, il est content ! Ah, il est content ! Tu vois, il t'en faudra plus, hein. T'as pris le strict minimum, mais tu vois, au fur et à mesure que tu vas acheter tes pâtes, tes machins, etc., bah, tu les mettras dedans. C'est vachement beau. C'est super bon. Oh là 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 là, bon là c'est le bordel, mais imaginez avec les petites pailles. Avec une plante tombante. Oh, j'imagine avec une plante moi. Oh, bad bitch, vraiment, waouh, 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 waouh. C'est comme sur mes plans, c'est incroyable, je suis tellement fière de ma personne. Je t'ai poussé, hein. Ah, je t'ai poussé pour faire ça, hein. Mais t'es content. Oui, ça fait beaucoup de lumière. Avec une petite plante là-haut qui t'accroche, qui s'accroche et qui tombe là. Oh, tu mets une petite plante là, là t'es au sommet du bad bitch là. Plante tombante. Bah, on regarde la truffe. Je vais pleurer. Ça fait un peu peur. 20h, 19h30. Je vais pleurer. Vas-y, on va essayer. Je vais vraiment pleurer. La peinture, les bocaux, tout, j'ai réussi. Je suis en larmes. C'est la force du jour, hein. Toi aussi, tu pleures. Tu veux faire quoi là? Tu vas installer le meuble? Bah, je crois que j'avais pas rebouché de ouf les trous. Ouais, déjà on peut mettre cela. Un bon coup de ménage s'impose, c'est plus possible. Donc on a réinstallé ce meuble là. C'est un meuble Ikea qui était déjà là avant. Puis la bonne hauteur de. Enfin, moi c'est beaucoup trop grand. Moi je ne peux rien prendre, mais vous voyez les trucs qui t'ont si sert le moins, pareil, à raclette, puis du chouette. Bah, au moins, voilà, c'est tout en haut. Ouais, il voulait mettre ça. Moi je voulais le mettre un peu plus bas. Il m'a dit non, j'avais peur pour la lumière et tout. Et je voulais mettre le même celui-là ici, comme ça. Non, il voulait pas. Bon, déjà, c'est une belle avancée que j'ai pu lui faire peindre en vert. Que j'ai pu lui mettre des bocaux et tout le bordel. Parce que vraiment, c'est trop beau. Je suis vraiment très très fan. Et qu'il veut mettre aussi une plante. Donc on devait aller à Truffaut là, juste après. Mais bon, on n'aura pas le temps, tant pis. Il y a trop de bouchons à Paris. Et puis, c'est mort, ça sert à rien. Enfin, pour rester 20 minutes à peine, même pas dans le magasin, ça sert pas à grand chose. Donc on ira une prochaine fois. En tout cas, moi, il faut que j'y aille. Parce que il faut que j'achète des petites plantes. Donc bah là, c'est parti. On va faire un bon coup de nettoyage. On va tout laver là par terre, etc. Passer un bon coup d'aspi, voire même peut-être laver avec une lingette. Thank you.
J'ai lavé avec la pierre d'argent le carreau, mais c'est vachement bien. Mais par contre, pour l'évier, vu qu'il est noir, ça laisse quand même des traces blanches, même si je nettoie et tout, que je rince après, c'est un peu galère. J'ai lavé les casseroles qu'il avait reçues de sa mère à la crémaillère. Et là, je suis en train de laver, enfin d'essayer de retirer les étiquettes, ma passion. Et je vais déjà installer ça. Parce qu'il paraît, il faut attendre 12 heures avant de mettre un truc et tout. Enfin bon, voilà. On va installer ça ici, je pense que ça serait plutôt pas mal. Ah bah oui, mais tes gamelles, Gollum, viens voir, Gollum. Elles sont là. Eh ouais. Non, elle est pas contente. Elle est pas contente. Là, elle est en train de râler. Gollum. Oui. Tu veux voir? Bon, je disais quoi? Du coup, avec la porte vraiment enlevée, ça fait une lumière de fou. Et je sais pas si vous voyez, enfin vraiment, la lumière est incroyable. Ça change vraiment de fou de Dieu. Donc, les bocaux et tout sera pour la prochaine fois, comme je vous disais. Là, j'ai lavé du coup les casseroles, donc on va les installer. Lui, il préférait les casseroles avec les poignées comme moi. Je préfère ça aussi qu'avec les poignées, qu'avec les trucs qui s'enlèvent là. Même si c'est pratique pour ranger, je vous avoue, c'est vrai. Mais franchement, c'est beaucoup mieux avec les poignées. Et j'ai mis, en fait, quand j'ai vidé le lave-vaisselle, j'essaie de ranger. Je sais pas si je vous ai montré. Je sais plus. J'essaie de ranger en fonction du lave-vaisselle quand il est ouvert. Parce que au début, je voulais mettre ça là. Mais quand c'est ouvert, on peut pas ouvrir le tiroir. Du coup, j'ai mis les assiettes là. Là, ça va être ces mugs et tout le bordel. Il faudrait que je ressorte ça par contre. Et en fait, je peux pas les mettre là. Parce que en fait, le meuble il tient pas trop bien. Donc voilà, on va installer tout ça. Ça, je voulais montrer la WC, je voulais montrer, je crois. Mon tiroir, je voulais montrer. j'ai mis les bocaux. Non, j'ai pas mis les bocaux. J'ai mis les, ouais, j'ai mis les bocaux ici. Enfin, je pense que ça peut être pas mal. Et bien voilà. Au moins, ça c'est bon. Après, j'ai remarqué qu'il avait qu'une poêle, donc il faudrait qu'il en rachète. C'est plutôt pas mal. Écoutez, au moins il y a des casseroles. Moi j'ai beaucoup de poêles. Toi, t'as beaucoup de casseroles. J'attends n'importe quoi. Du coup, j'ai installé ces couteaux là. Je trouve ça vraiment trop beau. Hein. Vraiment, la vibe, elle est trop belle. Voilà, après, je pense pas qu'on va vous montrer autre chose parce que là, on est éclaté. Moi, je vais rentrer, j'en peux plus. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes. J'ai qu'une envie, c'est de prendre un bain. Donc, oula, je suis très très blanche. Donc, bah écoutez, voilà en tout cas pour la cuisine pour l'instant. Parce que c'est pas... Bon, on avance petit à petit, mais on a fait vraiment beaucoup de choses. On a fait les courses, on est allé à Action. Les courses, ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait acheter beaucoup de choses et tout. Et on a profité que j'ai ma voiture pour ramener un max de choses lourdes, du coup, comme des bières par exemple. J'ai fait aussi un retour de course que vous verrez donc prochainement. Donc il y a pas mal de choses qu'on a faites aujourd'hui. L'étagère, ça nous a pris pas beaucoup de temps en soi. On voulait aller à Truffaut, mais finalement on n'a pas pu. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Je pense que vous verrez peut-être une prochaine sur la cuisine avec tous les bocaux ou tout installer, peut-être le four. Je sais pas quand est-ce que ça se fera, ça sera fait. Parce que j'ai un autre chantier à faire après. Mais cette fois-ci, ça sera pas filmé. Donc voilà, écoutez, on va vous laisser là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaDRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo juste en bas. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.